C'est au printemps de l'an de grâce 1754 que débuta l'incroyable histoire à laquelle je fus mêlée de cœur et d'esprit, et dont le souvenir est demeuré si puissant que je peux aujourd'hui encore m'en remémorer sans peine les moindres détails. Nous étions, en ce matin de mai, plus de 200 à avoir répondu à l'appel de Thibaut de Limoges. 200 jeunes chanteurs et musiciens venus des quatre coins du comté tolosan à nous presser sur les quais de la Dorade dans l'espoir d'obtenir une place à bord du Bourdon.
Armand du Bourdon soit confié un homme d'expérience. Le capitaine est un ami de longue date. Vous ne pourriez être entre de meilleures mains. Regard profond, moustache au vent. Voici sous vos applaudissements le capitaine de ce bâtiment. Maître Coach, à toi de mettre en place un tonneau de mon meilleur rhum.
que nous buvions à la santé de cet équipage d'exception. C'est ma tournée. À vos ordres, mon capitaine. C'est la tournée du capitaine. Ouais. Si nous étions totalement ignorants des choses de la mer, nous l'étions davantage encore de celles de la vie. C'est ainsi que, peu après notre départ, lorsque nous eûmes enfin gagné le large, se referma sur nous le piège conçu par celui que nous considérions avec innocence comme notre bienfaiteur. Gobelets et bouteilles circulèrent bientôt de main en main, et même si le rhum nous brûlait la gorge et les boyaux, c'est avec zèle que nous voulions faire honneur à la générosité du capitaine. Encouragés par le maître coq, qui remplissait sans mollir les timbales, nous chantions à tue-tête avant de nous effondrer un à un, ivre mort. Du haut de son mât, la vigie semblait observer ce triste spectacle avec compassion. Thank you.
la lueur des lanternes sourdes, le capitaine et son maître coq quittaient le navire à bord d'un canot. La brume enveloppe peu à peu le bourdon. La tempête est proche. À Saint-Malo, viens d'arriver, à Saint-Malo, viens
tempêtes, ont affondé les tempêtes, ont affondé les tempêtes, ont affondé les tempêtes, ont affondé des Occitans à la dérive, à Saint-Malo, deux sur la rive. Les Occitans à la dérive, à Saint-Malo, deux sur la rive. C'est promis, on va les aider, c'est promis, on va les aider. C'est promis, on va les aider, c'est promis, on va les aider. Croix de Breton, il faut qu'ils vivent à Saint-Malo, deux sur la rive. Croix de Breton, il faut qu'ils vivent à Saint-Malo, deux sur la rive. Hissez les phoques et le hunier, hissez les phoques et le hunier. Hissez les phoques et le hunier, hissez les phoques et le hunier. Et que leur voyage ils poursuivent à Saint-Malo, deux sur la rive. Et que leur voyage ils poursuivent à Saint-Malo. Avec nos cousins irlandais, avec nos cousins irlandais, avec nos cousins irlandais, avec nos cousins irlandais. Ils prépareront l'offensive à Saint-Malo, deux sur la rive. Ils prépareront l'offensive à Saint-Malo, deux sur la rive. Ils prépareront l'offensive à Saint-Malo, deux sur la rive. Ils prépareront l'offensive à Saint-Malo. La vigie que nous avions injustement dénigrée sous l'influence du capitaine et de son maître coq s'avéra être une interprète d'un précieux secours. Le surlendemain, après avoir attendu que la marée soit au plus haut, nos sauveteurs, habilement répartis au poste de manœuvre, parvinrent à remettre notre vaisseau à flot. Nous promettant que notre infortune ne resterait pas longtemps impunie, nos nouveaux amis nous invitèrent à visiter leurs cousins celtes, dont leur ralliement à notre cause ne faisait pour eux aucun doute. C'est ainsi que quelques jours plus tard, le Bourdon jetait l'ancre dans le port de Cork la Rebelle, sur l'île d'Irlande.
sauvetage sur les côtes bretonnes était source d'émerveillement. Au terme d'une semaine riche en rencontres et en découvertes, c'est un regret que nous dûmes nous résoudre à quitter l'île. Nul ne sut comment l'annonce de notre arrivée à Édimbourg avait pu nous précéder. Toujours est-il que l'entrée du Bourdon dans le port de Leyte donna lieu à une réception que nous n'étions pas prêts d'oublier. Après avoir rendu hommage à notre équipage et à sa bravoure, le connétable nous présenta un petit homme à la chevelure rousse et au regard malicieux, accompagné de son épouse. Ces derniers prétendaient exercer la singulière profession d'éleveur de monstres du Loch Ness. Monsieur et Madame McNessie, puisque tel était leur nom, souhaitaient contribuer à la réussite de l'offensive que nous nous apprêtions à mener contre Thibaut de Limoux, en nous offrant, au nom du peuple d'Écosse, un des plus beaux spécimens de leur élevage. Hello, je suis Benjamin McNessie, et voici mon épouse, Elena McNessie. Mon mari et moi-même avons un élevage de monstres du Loch Ness. Je vais vous expliquer. Même s'ils sont grands et forts, ils sont domestiquables. Ces animaux sont un mélange de dragons et de serpents. En effet, une fois adoptés, ces monstres vous seront fidèles et vous défendront au moindre problème. Sans s'offusquer le moins du monde des éclats de rire qui fusaient dans nos rangs, en réponse à ce que nous prenions pour une bonne plaisanterie, leur fille entra. Voici notre fille qui vous apporte un baby monster pour vous aider dans votre quête. Je vous présente Sunday. N'ayez pas peur. Il est très gentil et très affectueux. Prenez bien soin de lui, je vous le confie. Arriva le jour tant attendu du grand retour. Le pont du Bourdon ressemblait depuis l'aube à une fourmilière dans laquelle chacun s'affairait en tous sens sous les ordres des frères Le Goff. Ces deux gaillards, natifs de Quimperlé, que nous avions pris l'habitude d'appeler les capitaines, avaient réussi à nous inculquer les rudiments de navigation qui faisaient de nous un équipage encore maladroit, mais en somme tout acceptable. D'autant plus qu'une bonne douzaine d'Écossais, bons marins et musiciens de surcroît, avaient décidé de venir grossir nos rangs. C'est ainsi que l'ancre fut levée sous les acclamations de la foule qui s'était amassée sur les quais d'Édimbourg pour assister à notre départ. Bien que nous ne comprenions pas un traître mot, nous répondions à tous ceux qui nous interpellaient par des merci et des à bientôt, dans un joyeux tumulte qui avait pour effet de décupler notre détermination et notre désir de revanche. Thank you.
Même si nous dûmes affronter une nouvelle fois l'écume et les tempêtes de l'Atlantique, le plaisir que nous éprouvions désormais à naviguer et à manœuvrer la frégate nous faisait prendre notre mal en patience. Nous avions néanmoins hâte de retrouver le pays et d'en découdre avec celui que nos compatriotes celtes, sans même le connaître, traitaient déjà dans leur langue de tous les noms d'oiseaux. Au 13e jour, alors que le soleil était encore haut dans le ciel, nous aperçûmes enfin... Jeunes gens, quel soulagement de vous savoir sains et saufs alors que l'on vous croyait englouti au fond des vastes océans. J'ai néanmoins l'immense regret de vous annoncer qu'il n'y a plus de place dans ce pays pour des trublions de votre espèce. Alors disparaissez, retournez d'où vous venez, avant que je n'ordonne à mes carillonneurs de vous tailler en pièces. Passé l'effet de surprise, je vis dans le regard de mes compagnons que les menaces proférées par le tyran n'avait fait qu'attiser la haine que nous éprouvions à son encontre. Nous étions plus que jamais prêts à le combattre. Je vous aurais prévenu, carillonneur à l'attaque. Tenu de respecter le couvre-feu imposé par le surintendant, sortait des habitations à notre passage et nous emboîtait le pas pour former dans les rues un formidable défilé. Craignant de finir dévoré par Sunday, notre fidèle baby monster, le perfide Thibaut de Limoux ne tarda pas à capituler. Et le peuple de Toulouse, enfin débarrassé de son tyrannique surintendant, nous acclama en libérateur. Ouais ! La fête qui s'ensuivit dura des jours et des nuits. Au son des fifres et des violons, des cornemuses et des bourdons.